Je suis dans le Loir-et-Cher, dans le cadre de mon Tour de France des productions françaises, puisque le thème principal de mon engagement, c'est de relocaliser dans notre pays des productions pour fournir de l'emploi, du pouvoir d'achat. Et j'ai rendu visite à Monsieur Laurent Gauthier, qui est producteur, un des derniers producteurs de champignons en cave, d'une extraordinaire qualité, et qui va vous expliquer comment il produit, pourquoi nous sommes face à une déferlante des importations et comment on pourrait relocaliser en France des productions de champignons. Alors, merci de s'intéresser à notre situation dramatique dans le champignon. Il faut savoir en deux mots, c'est que le champignon français, c'est catastrophique. On est passé en l'espace de 20 ans à plus de 500 producteurs en France. À l'heure actuelle, on est moins de 20. Encore basé sur le bassin Pays de Loire. C'est dramatique tout simplement parce qu'on avait un patrimoine qui était ses caves. Moi, je suis resté en production traditionnelle, en cave. J'ai 5 km de galerie. On sort de la qualité. On est passé sur des cultures industrielles qui viennent de l'étranger. Champignon de Paris, ce n'est pas une appellation, c'est un nom commun. Donc, quand vous achetez du champignon de Paris, bien souvent, il vient de Pologne, là où la main-d'œuvre est moins chère, alors qu'on a un savoir-faire en France. Par rapport à ça, les industriels se sont intéressés à un coût de revient. Ils ont fait un champignon de plus en plus chargé en eau, très blanc, qui a du poids, qui a du rendement, mais par contre, qualité gustative qui est moindre. On a un savoir-faire en France, on peut encore le sauver. On a encore quelques producteurs à connaître ce métier, mais il faut agir d'urgence là, parce que la prochaine génération, ça sera fini le champignon en France. Si on ne forme pas maintenant des producteurs, je suis prêt à les former, il n'y a aucun souci. Si on ne le fait pas maintenant, ça sera trop tard et on n'aura plus de champignons de Paris faits en France. Ça serait quand même dommage. Et on a visité sa cave et j'ai pu goûter à des champignons, mais un goût incomparable. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'on a les talents en France pour réussir. Mais en revanche, tout est fait pour détruire la production française. Donc il faut inverser la mécanique. Et inverser la mécanique, cela veut dire créer des labels, champignons de Paris, produits en cave, de manière à ce que le consommateur sache ce qu'il achète. Cela veut dire contrôler. Parce que j'ai appris que parfois certains distributeurs mettent champignons de Paris alors qu'ils viennent de Pologne, et il faut beaucoup plus de contrôle. Et puis il faut baisser les charges des producteurs français. Et je reviens à ma proposition essentielle, c'est que tous les salariés agricoles verraient leurs charges réduites à zéro en échange d'une petite taxe sur la grande distribution. C'est la seule solution pour produire français et concurrencer les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, tous ces pays qui ont transféré les emplois que l'on avait chez nous. On ne peut pas continuer à payer des aides sociales d'inactivité, d'assistanat, et en même temps de voir nos producteurs partir parce qu'il y a des charges trop élevées. Il faut complètement inverser la mécanique. C'est le thème central de mon projet politique pour 2022. À bientôt.